Charlotte d'Ornella et son compagnon, carrière, salaire. Très active, Charlotte d'Ornella est une journaliste politique populaire en France. Que sait-on de Charlotte d'Ornella et son compagnon ? Elle a travaillé pour plusieurs organes de presse écrites dont Valeurs Actuelles et s'affiche comme une catholique pratiquante. Qui est Charlotte d'Ornella ? Charlotte d'Ornella est originaire d'Orléans et élevée dans une famille catholique très pratiquante. Nièce de Pierre d'Ornella, archevêque de Rennes, elle a côtoyé pendant sa jeunesse à Orléans Adélaïde Pouchol, porte-parole de la Marche pour la vie. Charlotte d'Ornella s'inscrit en 2004 à l'Institut de philosophie comparée de Paris où elle sort diplômée d'une licence de philosophie et d'une licence de psychologie. Ayant pour objectif d'enseigner la philosophie, Charlotte d'Ornella a été recrutée vers la fin d'un séjour en Australie. Fort de cette expérience, à son retour en France en 2008, elle décide d'amorcer des études de journalisme. Charlotte d'Ornella et son compagnon, est-elle en couple ? La vie personnelle de Charlotte d'Ornella et son époux est un véritable mystère pour beaucoup de personnes. En effet, selon les sources, Charlotte d'Ornella et son compagnon auraient des enfants. Sur Internet, plusieurs rumeurs circulent sur elle et son compagnon. Présente sur un des numéros de l'émission L'heure des pros de Pascal Pro, la journaliste avait dévoré des yeux Nathan Devers, un jeune philosophe. Aujourd'hui, il est compliqué de savoir si elle et son compagnon d'émission Nathan se sont revus après ce plateau. Victime d'harcèlement sexuel ? En 2017, Tahir, un coup de Kerkois, prend contact avec Charlotte d'Ornella sur son compte Facebook personnel. Très tôt, il dérape dans ses propos et commence par envoyer des messages et de propositions sexuelles à la journaliste. De son côté, elle bloque Tahir sur Facebook. Au tribunal devant les juges, Charlotte d'Ornella confie avoir eu peur parce que son harceleur s'imagine une relation avec elle. Le tribunal le condamne à 2 ans de prison, dont 18 mois ferme, et il devra verser une amende de 2000 euros à la journaliste. Quel est le salaire de Charlotte d'Ornella ? Les recherches effectuées sur le salaire de Charlotte d'Ornella n'ont abouti à aucun résultat. Mais son salaire pourrait dépendre de ses apparitions sur les plateaux d'émissions. Charlotte d'Ornella sur les réseaux sociaux. Charlotte d'Ornella est très active sur les réseaux sociaux. Sur son compte Twitter, un extrait d'une vidéo d'une émission qu'elle a animée sur l'actualité entre la Russie et l'Ukraine. Il faut noter qu'il n'y a aucune photo de Charlotte d'Ornella et son compagnon sur les réseaux sociaux.